Merci Tanguy Passion. J'ai horreur des surnoms. Par exemple, un couple dont les membres s'appellent l'un l'autre Chouchou et Bébé. Ça donne envie de brûler leur maison. On le fait pas, bien sûr, au prix de l'essence. C'est devenu un luxe d'être pyromane. Je pense qu'en août, dans le Var, le seul à pouvoir se permettre de foutre le feu à une forêt, ce sera Bernard Arnault. Et un surnom, ça en dit long sur la personne. Par exemple, Michel Fourniret. On ne l'appelait pas Gros Poussin, mais l'ogre des Ardennes. Eh ben, ça n'incitait pas à le côtoyer. Déjà, des Ardennes, on se méfie. Hein. Autant que de Lourdes, pour ceux qui aiment les fêtes satanistes. Je pense à Laurent Romeshko, mais il y en a d'autres. Donc, si on ajoute l'ogre, on sait qu'on n'est pas sur une belle personne. Émile Louis, ce conducteur de bus qui aurait mieux fait de se concentrer sur la route. Eh bien, pareil, il avait un surnom, le boucher de Lyon. Eh bien, ça l'a coupé des véganes. C'est un type qui, aujourd'hui, ne pourrait pas vivre dans le 11e arrondissement. Ah non. Au contraire, il arrive qu'un surnom exprime le fait qu'une personne est peu dangereuse. François Hollande était surnommé Babar ou Flamby. Donc, même coincé avec lui dans un ascenseur avec du GHB et une tronçonneuse, on savait qu'il n'allait rien se passer de mal. Alors que le surnom de Manuel Valls, qui est Judas catalan avec cette sébum, fait froid dans le dos. Un surnom, ça reflète ce qu'on est. Attiré. Là, c'était le fléau de Dieu. Patrick Sébastien, le roi de la bifle. C'est un repère social qui permet de situer chacun. Margaret Thatcher, la dame de fer. On savait qu'on n'avait pas à faire une rigolote, alors que Yannick Jadot, qu'on appelle le petit bonhomme en fougère bio. Et bien, de suite, on a envie de boire avec lui un chai vêtu d'un slip de lin fabriqué de manière équitable par des gens de gauche du Niger, avec le nez, parce qu'ayant sauté sur une mine, il ne reste plus que la tête. Ce qui fait qu'au foot, ils sont systématiquement le ballon. Ne pas avoir de membres, ça vite fait de vous désavantager, parce que depuis qu'il appuie la bise et qu'on check les gens, celui qui n'a pas de bras perd ses amis, hein, qui disent de lui niveau convivialité, pardon, mais Sylvain a beaucoup baissé. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des surnoms? Oui. Eh bien parce que ce week-end, pourquoi j'ai mis CNews. Hein, j'avais envie de voir des gens s'engueuler en plateau. Le principe de CNews est simple, on réunit quatre personnes de bords politiques variés, ça va de la droite extrême à la droite nationale en passant par la droite patriote, puis on dit soit woke, soit Taubira, soit migrant, et on écoute les personnes hurler. Mais malheureusement, je suis tombé sur un reportage à propos du cannibale des Pyrénées. Là aussi, surnom. Alors, le mot cannibale, déjà, fait peur. Parce qu'on a des a priori forts sur les cannibales. On se dit, c'est pas possible. Avec Uber Eats, en deux clics, on trouve toutes les cuisines du monde. Vous tapez foie de veau fourré au sushi à la banane plantain, il y a une réponse. Et certains, malgré ce choix incroyable, préfèrent manger Sylvie, leur cousine. Hein ? Alors, j'entends... Non, mais j'entends ce que répondront les cannibales. Oui, l'avantage avec Sylvie, c'est que je l'ai vu grandir. La traçabilité est top. À part pour son BTS pendant 2 ans à Caen, elle a toujours vécu dans le bocage, elle a l'air libre. Bon, d'accord. Mais moralement, un être humain ne doit pas manger un autre être humain. Il y a des règles qui régissent la société. Oui. Certaines ont été brisées. Le port de la claquette, par exemple, bon, est devenu courant, mais quand même. Alors, l'histoire du cannibale des Pyrénées. Il s'agit d'un monsieur né en 84, comme Arlette Chabot, et qui a été militaire en Afghanistan, d'où il est revenu traumatisé, avec des hallucinations. Il voit Nathalie Arthaud à 12%. En 2013, il a assassiné un agriculteur de 90 ans, avant de cuisiner son cœur et sa langue et de les accompagner de restes de haricots trouvés dans le frigo. J'ai entendu ça sur BFM. Hein, puis le présentateur ensuite a dit « Allez, la météo, il va faire frais au nord, Tatiana. » Et là, Tatiana, qui a entendu l'histoire, a vomi sur la Bretagne. Elle a ensuite été obligée de présenter ses excuses au conseil régional, ainsi qu'à Madame Loïc, qui hurlait « Je vais te battre comme mon beurre, tu vas me morfler, chienne !» Enfin, vous savez à quel point les Bretons sont sanguins. N'est-ce pas ? La fois, on a eu ici Michel-Edouard Leclerc, j'ai cru qu'elle allait me déflorer avec une baguette à 29 centimes. J'ai failli lui crier, mais enfin, je veux au moins une brioche à la praline de chez Eric Kaiser. À ce moment-là, le cannibale des Pyrénées donc, se fait attraper, au moment où il assassine l'agriculteur. On lui demande pourquoi il a assassiné le vieil homme. Il répond qu'il a entendu des voix. On lui dit, oui, mais enfin, c'est Golène Royal aussi, et elle est très gentille. Et il est déclaré irresponsable de ses actes. Il est interné pour schizophrénie sévère, et la semaine dernière, s'évade d'un hôpital psychiatrique de Toulouse. Alors, je ne sais pas comment. Autant quelqu'un qu'on surnomme le petit pépère de Prades. On peut le laisser en liberté et le nommer Premier ministre. Autant quelqu'un qu'on surnomme le cannibale des Pyrénées, j'imagine qu'il devrait être surveillé. Et donc, mercredi, le cannibale attaque une dame, Françoise, qui témoignait hier sur BFM. Alors, elle dit « Je sortais mon chien ». Et ça, on n'imagine pas, quand on sort son chien, qu'on va tomber sur un cannibale. Un militant socialiste qui fait la campagne d'Hidalgo. Ok, on se dit « Chacun est libre de croire à des chimères ». Bon, mais un cannibale, non. Et là, ajoute Françoise, le cannibale la voit. Donc, j'imagine qu'elle crie un truc du genre « Bouffe le chien !» en brandissant la animal, mais proposer un chien à un cannibale, c'est comme de tenter de diriger Gérard Larcher vers une salade de choux rouges. Hein, heureusement, les voisins de Françoise voient la scène et interviennent, comme quoi il a tort, Julien Courbet, de toujours présenter les voisins de manière stigmatisante. Hein, d'accord, parfois ils râlent quand votre haie dépasse de 20 cm sur le terrain, mais ils peuvent aussi vous sauver d'un cannibale. Hein, tout ça pour vous dire qu'heureusement,
malheureusement, le cannibale des Pyrénées a été repris et qu'on reste entre nous, personne non dangereuse, bébé, chouchou, dédé, loulou, doudou, ben, nag et moi, c'est tentant. Merci, Tanguy Pascal.